Tout le monde, c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. J'ai donc vous parler en fait à propos de Sony au niveau du PlayStation Network. Et puis ce soir je risque de parler aussi d'un nouveau jeu et aussi d'autres jeux qui, eh bien écoutez, sont annoncés, des jeux qui ont pris une bonne popularité en fait. Et voilà, ils sont annoncés peut-être pour une deuxième version et tout, et donc ça on en parlera. Ça c'est intéressant. Jadel Atala, est-ce que vous avez une coupe à me proposer? Je sais, ça n'a rien à voir, mais voilà, regardez, aidez-moi cette catastrophe, une vague sur la tête, mais complètement là, c'est n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, on va donc parler à propos du PlayStation Network. Come on, what's going on? Qu'est-ce qui se passe au PlayStation Network? J'essaie d'ailleurs de me connecter parce que je me suis créé un autre compte PSN parce que je crois que je me suis fait bannir en fait sur GTA. Je sais pas, mais c'est bizarre parce que je me retrouve avec que des joueurs qui cheatent, et je crois que ça c'est le mot, se faire bannir. Donc je me suis pris un autre PSN et comme ça je peux jouer tranquillement sans me faire chier, voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand tu joues avec d'autres personnes qui cheatent et tout sur le mode en ligne, sachant que moi aussi je le faisais, mais moi je le faisais d'une autre façon, et que tout le monde te tue avec des explosions et tout, ça te fait vraiment chier. Enfin bref, donc on va parler à propos du PSN, parce que lorsque j'ai voulu recréer mon compte PSN, je vais sur le site internet et tout, donc de Sony, pour essayer de me créer un compte PSN, et tout d'un coup je commence à voir, et je trouve ça assez bizarre, parce que je constate que j'arrive pas à créer mon compte PSN. Quand j'étais en train de le créer, de me connecter sur le PSN, il y avait des bugs, il y avait plein de bugs et tout, et je me suis dit tiens, c'est bizarre ça. Et je m'en suis pas rendu compte puisque Sony ont officialisé comme quoi il y avait des problèmes. Ils appellent ça service are experiencing issues, c'est-à-dire que le service avait des issues, en gros avait des problèmes. Il y a eu une sorte de maintenance, normalement je crois que c'était lundi, mardi, et que ce week-end-là, d'ailleurs peut-être toujours aujourd'hui et voire demain, vous aurez des problèmes avec le PSN. D'ailleurs moi en ce moment j'ai pas mal de problèmes de connexion avec le PSN, c'est-à-dire que lorsque je me connecte et tout, eh bien des fois hop, je sais pas, ça me déconnecte ou ça, j'arrive pas à me reconnecter. Donc c'est peut-être dû aussi à cause de ce que je vais vous raconter. Il n'y a pas eu énormément d'explications puisque Sony ne sont pas aussi là pour vous dire comme quoi ils se font attaquer par un groupe. Mais ce qui est très étrange, c'est que pendant 6 heures, le service PSN, je crois que c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, a eu à rencontrer énormément de problèmes. C'est-à-dire que pendant 6 heures, très peu de personnes ont pu se connecter, et c'était un immense bordel. Et pour vous dire, avant qu'il y ait eu cette fameuse maintenance, ce fameux problème, il y a eu ce fameux groupe Leezer Squad qui ont affiché, je crois, sur leur Twitter une minute avant, donc c'est 60 secondes avant, comme quoi le PSN rencontrera des difficultés. Il n'y a rien d'officialisé, c'est-à-dire que Sony ne vont pas aussi dire comme quoi c'est le groupe Leezer Squad pour des raisons de sécurité, et surtout parce que ça prouve comme quoi ils sont aussi, on peut aussi casser leur système facilement, en tout cas on peut casser leur système. Donc ils vont jamais vraiment avouer ça, mais je vous conseille vraiment de faire attention en fait, et lorsque vous mettez votre CB ou autre chose, je sais pas si c'est votre CB à vous, si vous utilisez le CB de vos parents, mais je vous conseille de créer un autre compte bancaire, et dans ce compte bancaire là, vous allez tout simplement mettre une centaine, 150 euros pour par exemple acheter vos jeux ou des trucs comme ça. Moi c'est ce que je fais par exemple pour l'achat, c'est à dire que j'ai jamais utilisé vraiment ma CB où il y a un nombre, où il y a je sais pas moi, 200-300 euros. Je vais toujours utiliser en fait un autre compte qui me permet, alors moi j'ai une autre carte bleue en fait qui me permet de faire des achats, parce que je sais très bien que je mets pas beaucoup d'argent dessus, et je fais exprès comme ça au cas où si je me fais hacker ou que mais ils sont partagés mes données, et comme ça au moins si je me fais voler de l'argent, ça sera pas 300-400 euros, mais ça sera juste 100-150, ce qui est énorme déjà, mais faut limiter la casse. C'est juste pour vous dire aussi, faites très attention. Donc ici c'est le PSN qui s'est fait attaquer par le Leezer Squad, normalement, même si c'est pas vraiment confirmé, parce qu'ils vont pas confirmer ce genre de choses, ils vont préférer dire comme quoi il y a des petits problèmes techniques, certainement avec les serveurs ou des choses comme ça, voilà, ils aiment bien blablater, mais il y a vraiment, je pense, on peut vraiment se poser des questions et surtout faire attention. Donc voilà, si vous avez des amis ou des gens comme ça qui payent en ligne, parce que c'est bien mieux d'acheter des jeux qui sont dématérialisés, je crois qu'on dit comme ça, enfin en gros qui ne sont pas matériels, c'est-à-dire que vous achetez pas la boîte, mais vous achetez depuis le Play
Play Store, eh bien faites le Play Store, non c'est le PSN. Donc faites très attention. Oui, je suis un peu dans la galère là, mais voilà. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page personnelle, là il dit donc qu'il arrête pas de zoomer ma caméra. Et attendez, je suis en train de réfléchir sur un truc. Non, moi c'est bon, c'est à peu près tout. Je vous ai à peu près tout dit, il n'y avait pas grand chose à dire, mais voilà, faites très attention à vous, puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.